Bienvenue sur Channel Loi Espagnol Créole. Dans la vidéo, ça, nous allons apprendre avec adjectif possessif. Si toutefois, vous pouvez abonner avec Channel Loi, je vous invite à profiter de ça pour ne pas rater la prochaine vidéo que nous allons poster sur Channel Loi. Non pas M. Rodson. Vous pouvez passer par mon love là sur Instagram, page officielle moyen qui c'est Rodson Road. Adjectif possessif yo yo divisé en deux. On va trouver adjectif possessif yo qui est placé avant nous, antes del sustantivo et après ça gayon qui placé après nous. Dans vidéo ça et nous va le faire en deux parties. Ça c'est première partie à côté que nous pral apprendre nous tout adjectif possessif qui placé avant nous. Et puis dans deuxième vidéo nous pral apprendre avec tout adjectif possessif qui placé après nom. OK. Et adjectif possessif comme Carola, los adjetivos possessivos. OK, yo divisé en singulier, singular, après ça on divisé en pluriel qui c'est plural. OK. Et singulier yo pour adjectif possessif comme ka remarqué nous gain c'est mi tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. OK. Et là, ou ka wè gen tout ça, OK. Et dans vidéo avant nous te apprend nous et pronom possessif, OK. Kote ke ou elle te gen tout là-dedans, mais différence gen c'est que les trois en pronom personnel, la pote en accent comme ça. Mais les li pa pote accent, li sont adjectif et possessif. OK. Après ça là, moi dis que adjectif possessif ça comme ka la mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, après ça su, ça yo placé avant nous. OK, l'aime dire placé avant nous, ça c'est en espagnol. Mais comme ka regarder là, ouais ou gen moi ou li, nou yo. OK, moi te dis que pour nos personnel yo en créole, yo c'est moi ou li nou yo. OK, comment pour ka différencier en créole en pronom personnel avec yon adjectif possessif? Pour ka différencier pronom personnel là avec adjectif possessif là en créole? En créole, les ou gen et mot ça le placer devant un verbe, les ça li c'est en pronom, li c'est en pronom personnel. Donc, si vous dites moi manger ou manger, li manger, nous manger, nous manger, yo manger, ça c'est un pronom personnel parce qu'il est placé devant un verbe. Mais depuis qu'il est placé après un nom, ça veut dire li c'est un adjectif possessif. Par exemple, moi j'ai dit kay moi, OK, kay moi, chaise li et sandal li, valise li, téléphone li, OK, kay nou, frè nou, OK, ou là li placé après nous. Laisse ça, laisse un adjectif possessif. OK, kounya nous parle apprendre adjectif possessif yo et au singulier. Mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. Yo vle di en créole, moi ou li, nous yo. Mi, moi, tu, ou, su. Li, nuestro, nuestra, nous, vuestro, vuestra, nous, su, yo. OK, ça c'est pour singulier, mais adjectif possessif yo et au pluriel, OK, comme ka wè la pour en espagnol seulement on va ajouter un s, OK, pour ka former et pluriel là. Pour mi, m'a bien mis. Pour tout, m'a bien tous. Pour sou, m'a bien sous. Pour nuestro, nuestra, m'a bien nuestros, nuestras. Vuestros, vuestras. Pour sou, m'a bien sous. OK. Et pour créole la même, pour ka former et pluriel en créole, OK, deye, ça va utiliser un awanik ajoute yo. OK, de pour ajouter yo, y a pour ese plaisir, OK, c'est comme ça, au former et pluriel en créole. Pour singulier, encore, moi, te gen moins, et bien, pour prier là, ma gen moins yo.
pour ou moins te gen ou au singulier au pluriel m'a gen ou yo li yo nou yo nou yo après ça pour pluriel de sous m'a gen yo OK pour que ça mette un seul yo parce que ça geta gen yo et sous di, si ou di yo yo OK la li pa tellement sonne bien OK c'est ça que fait et pour là ou juste utiliser un seul yo yo comme ça OK soit sous di yo yo y apparaît et antigen li pa tellement sonne bien OK et kounya nou pral et répéter après mi mwen tout ou sou li nuestro nuestra nou vuestro vuestra nou sou yo OK pou pliyèl yo nou gen se mis mwen yo tous ou yo sous li yo nuestros nuestras nou yo vuestros vuestras nou yo sous yo OK yo utilize adjectif possessif yo et pour parler de léon bay OK c'est pour ou léon bay appartient à ou même OK leur parler de on bay tant que de possession le bay là appartient à ou même OK c'est pour ça ou utiliser et adjectif possessif tant que ça ou posséder bay ça ou. OK là nous porter quelques exemples pour côté que et vous pouvez comprendre plus bien et là nous parlons de adjectif possessif yo OK et n'a repasser encore mi mwen tou ou sou li nuestro nuestra nou vuestro vuestra nou sou yo pou pliye la nou gen mis mwen yo tous ou yo sous li yo nuestros nuestras nou yo vuestros vuestras nou yo sous yo OK et ça c'est singulier ça c'est pluriel et songez que moi te dit pour pluriel yo en espagnol on va juste ajouter s pour ça singulier après ça pour créole là pour former pluriel de lui on va juste ajouter yo OK et premier exemple nous gain pour nous gain et OK là ou est seulement moi gain mi tout sous OK ou utilise ça yo, ni pour féminin ni pour masculin. OK, kounya c'est mot qui vient après a ou bien non qui vient après c'est lui qui va déterminer si c'est féminin ou bien c'est masculin. OK, par exemple, pour mi, moi dis que adjectif possessif ça en espagnol, c'est ça qui placé avant nom. OK, après ça dans l'autre partie vidéo, on va venir avec adjectif possessif qui placé après nom. OK, mais pour qu'à différencier adjectif possessif en créole avec pour nos personnels le placer avant et puis adjectif possessif toujours placé après. OK, par exemple, mi mochila, ouais, mi li placé avant mochila. OK, ça veut dire ça c'est adjectif possessif là qui placé avant non. OK, ça en espagnol. OK, qui ça mi mochila veut dire en créole? Il veut dire en créole et valise moi. OK, mi mochila veut dire en créole valise moi. OK, c'est ça me dit là. Valise ça c'est nom, moi OK ça c'est et pour adjectif possessif là parce que ouais là en créole adjectif possessif est toujours placé après nom mais yo identique avec pronom personnel seulement pronom personnel le placé avant et puis et à disposition yo placé après. OK. Deuxième exemple nous gain pour nous gain mi libre. Mi libre. OK, qu'est-ce que ça veut dire en créole? Ça veut dire livre moi. Ouais, mi libre, livre moi. OK, livre moi ça livre c'est nom et puis moi ça c'est adjectif et possessif là. OK. L'autre exemple nous gain pour Tu amigo, ça veut dire en créole, zami ou. OK, ça veut dire en créole, zami ou. Mais, moi, te déjà expliqué dans le pronom personnel, côté que là, ou ka gen seulement yon M,
Là, on a seulement W, là, on a seulement un L, yon N, yon N, et seulement ça, yon G. C'est même janto. Voilà, on a dit zami ou bien on a dit zami ou. Zami ou tout, tout amigo. Zami ou bien on a dit zami ou. Ok, ça c'est forme courte là. Zami ou. Tu amiga, ça c'est pour fi. Le bon zami fi, en créole là, la toujours été même gens qui c'est zami, zami ou bien zami ou. Ok, même bah là. Après ça pour sou, sou hermano. Ok, là, ma bien c'est frère. Ou bien, ouais, forme coute là pour lui, ou bien forme contact à mon cas dit frère. Frel, ouais parce que il vient après non ça son en adjectif possessif frel frel OK mon ka di freli suelmana OK ça c'est seli seli ou bien te ka di sel suelmana après ça là existe nuestro primo qui ça ça veut dire cousin nous OK ça veut dire cousin nous nuestro qui veut dire nous ouais nuestro nuestra OK après ça nuestra ça c'est pour fille là ou a gain cousine nous primo cousin prima cousine nuestro primo cousino nuestra prima cousino voilà ou bien nuestro gato là c'est chat non le va parler de chat non ça veut dire moi parler dedans voilà et pour féminin gain nuestra gata qui veut dire chat non. OK. Après ça pour sous ça, là on gen sous hijo. Hijo veut dire petit garçon. Ça c'est petit. Voilà, ça c'est petit garçon. OK, pour qui ça là mettez et petit garçon yo. OK, ça veut dire même si on ça gagne yo mais yo ça en plus dit là c'est le gagne sauce OK sauce c'est là on a dit et petit garçon yo OK là le gagne sauce mais dans cas ça là dit sous hijo et nous plus utiliser et sous ça OK même si on la gagne sous ça c'est pluriel de sous ça OK et là n'a toujours gagne et n'a utiliser ça c'est de même pour les nous arriver dans pluriel là la gen sous mais c'est sous ça li n'a plus utiliser ou la gen sous les ou dans singulier on va plus utiliser ça on va se comprendre n'a le sous ça les n'a parlé de sous hijo c'est petit garçon li après ça les n'a parlé de sous hijos nous va dire li on n'a plus utiliser et sous ça pour lui OK là c'est pour singulier yo OK on aller ensemble. Mimochila valise moi. Mimochila valise moi. Mi libro livre moi. Mi libro livre moi. Tu amigo zami ou. Tu amigo zami ou. Tu amiga zami ou. Tu amiga zami ou. Su hermano freli. Su hermano freli. Su hermana, Celi. Su hermana, Celi. Nuestro primo, cousino. Nuestro primo, cousino. Nuestra prima, cousino. Nuestra prima, cousino. Vuestro gato, chatno. Vuestro gato, chatno. Vuestra gata, chatno. Ok, su hijo. Et ça c'est petit garçon lui ou bien petit garçon yo OK
Et kounya là au finouin et pour singulier kounya même exemple ça yo nous pral mettre au pluriel. OK, nous pral mettre au pluriel pour qu'on comprenne exactement comment pour utiliser et pluriel yo. OK. Là nous te gen mimoti là ça c'est de pour singulier konya nous pral mettre au pluriel pour pluriel de miss c'est miss OK moti là on va s'ajouter un s miss motilas qui veut dire valise mwen yo OK ouais comment on met le pluriel mimoti là miss motilas valise mwen yo OK, ça c'est comme ça et pour ka mettre yo au pluriel. OK, si moi t'a mettre ça au pluriel. OK. Pour mettre au pluriel comme ou ka même gen là, moi gen et trois miga. Ma mettre au pluriel, m'a gen tous amigas qui veut dire en créole zami ou yo OK tous amigas zami ou yo zami ou yo ça c'est pluriel là ouais là ça c'est ou yo OK si m'a mette pluriel de ça OK par exemple là m'a gen sous hijos qui veut dire en créole petit garçon petit garçon yo OK on t'a dit petit garçon yo mais on peut dire petit garçon yo OK petit garçon yo sous hijos petit garçon yo OK ça c'est comme ça et ou former et prier là OK Kounya et nous pas faire un petit repasser mais son j'aime dire dans deuxième partie m'a porté adjectif possessif qui placé après nous comme on car là voilà mimoti là il placé avant nous sous hijos sous là il placé avant nous ça c'est pour espagnol mais tout adjectif possessif en créole il est toujours placé après nous voilà moi j'ai valise moi ça c'est adjectif possessif parce que il placé après nous mais pour pronom personnel il placé avant non voilà moi gen mi libro livre moi OK li placer après non OK ça me veut pour nous et connait c'est que adjectif possessif yo yo divisé en singulier avec pluriel singulier yo yo c'est mi mwen ou bien ka di tu ou sou li nuestro nuestra nous Brestro, brestra, nom, sou, yo. OK, après ça, pour pluriel, nous avons mis, mren yo, tous, ou yo, sous, li yo, nuestros, nuestras, nou yo, brestros, brestras, nou yo, sous, yo. OK, en dernier exemple, nous apprenons encore, OK? Et si nous dit comme ça mi pied OK ça veut dire en créole pied moins OK voilà moi ca dit pied moins si m'avait écrit en forme coude seulement m'a dit pied OK pied mais si m'a dit pied moins m'a dit mis pieds OK qui le dit on ca dit pied mio ou bien mwen ka di pied mwen yo pied mwen yo ou bien tout simplement di pied mio OK c'est ça qui fait et ou plus tande encore le plus tande ça et m ou l n y OK c'est même j'ai seulement ça pour connaître les placer après non les sur adjectif possessif les placer avant OK
Là, le si un pronom est personnel. OK? Mi, mre, tu, ou, sou, li, nuestro, nuestra, nous, vuestro, vuestra, nous, sou, yo, pliela, mre, mis, mre, yo, tous, ou, yo, sous, li, yo, nuestros, nuestras, nous, yo, vuestros, vuestras, nous, yo, sous, yo, et pas oublier, abonner pour recevoir deuxième partie, côté que nous allons apprendre adjectif possessif, le placer et apprenons merci en espagnol. Songez que adjectif possessif en créole est toujours placé après nom. Si vous pas vous aimez mes vidéos, maman de bye vidéo un like et puis aidez nous partager pour les sons. C'est des amis, Woodson. Nous trouvons dans l'autre vidéo. Bye bye.